je m'installe. Les amis, je suis trop contente de vous retrouver comme tous les dimanches. J'adore notre rendez-vous du dimanche, mais aujourd'hui plus particulièrement puisque eh bien, je vais vous présenter le vlog de mon voyage à Maurice. Et je me suis dit que j'allais faire un format comme je l'avais déjà fait pour mon dernier voyage en Corée, où je suis assise avec vous, un petit thé à la main, n'hésitez pas à prendre votre boisson. Et je vous raconte un petit peu comment ça s'est passé. Je trouvais ça plus personnel de parler d'un voyage face à face plutôt que juste être dans l'action de toutes les activités qui s'enchaînent. Pour recontextualiser, je suis partie une semaine du 13 au 20 juin à l'île Maurice avec deux copines, Jody du compte Instagram Jody la petite Frenchie et Charlène du compte Insta et ex-youtubeuse Charlène donc Shake Up. Nous avons toutes les trois été invitées par l'office de tourisme pour promouvoir la richesse de l'île Maurice. Et donc là, le thème du voyage que nous avons fait, c'est nature et authentique. Donc exactement ce que j'aime. Le lundi 13 juin, j'ai pris ma petite valise. On s'est retrouvés avec les filles, avec Charlène et Jody. Et il y avait également Anaëlle qui fait partie de l'office de tourisme et qui était avec nous durant ce voyage. Et ça a trop bien matché également entre nous. Elle est née 2 jours avant moi, elle est du 13 mars 96, elle est poisson aussi, donc on s'est très bien entendu également. Beaucoup de points communs avec Jody et Charlène aussi, super bonne entente. On était vraiment comme des ponceurs, c'était très bienveillant et j'ai adoré cette ambiance. Nous avons volé avec Air Mauritius et nous sommes arrivés vers 6h du matin à l'île Maurice. Nous arrivons au premier hôtel qui est le Luxe Grand Gaube. Merci. C'est fait. Merci. On a fait un petit test PCR, vraiment un très gentil test comme vous pouvez le constater. Ensuite nous avons découvert nos chambres qui étaient somptueuses aussi. On vient d'arriver dans l'hôtel luxe à Grand Gaube et je vais vous faire un petit room tour. On arrive tout de suite, on a une première salle de bain sur la droite avec des toilettes ici et une douche là. Un salon, une vue ma foi fort sympathique avec une petite terrasse, mini bar etc là. Et à droite la chambre, petit bureau. Tintintin, comme si une salle de bain ne suffisait pas, il y en a une seconde. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Ah bah très bien, tout ça c'est dressing et dressing aussi. Trop stylé. Et là écoutez, je vais déballer ma valise, je vais prendre une bonne douche, je vais laver mes cheveux et ensuite on ira déjeuner dans un restaurant un petit peu gastro apparemment et ensuite on ira visiter le domaine de la Bourdonnais. Donc c'est parti, je viens de prendre une douche, ça fait tellement du bien, je suis toute propre. Ça les amis, c'était la meilleure douche de ma vie quand t'as fait un long trajet, j'étais partie depuis la veille et que tu peux enfin te laver, te sentir toute fraîche, toute propre et tout, tu te dis c'est bon, le séjour peut commencer. Et maintenant je vais m'occuper de ranger ma valise pendant que mes cheveux sèchent à l'air libre. Je switch avec ma caméra de vlog, je ne sais pas si vous voyez une différence, peut-être que la stabilisation est un peu meilleure mais je suis quand même impressionnée par le mode cinématique du dernier iPhone, là c'est complètement dingue. Ça y est, j'ai terminé l'installation de mon dressing. J'ai bien installé mes vêtements et tout et ensuite nous sommes allés déjeuner au château de la Bourdonnais. La Bourdonnais c'est un immense domaine qui fait 500 hectares et il y a un château, alors pas un château comme on l'entend, château de la Belle au bois dormant avec les tours etc, c'est un style colonial et donc nous avons déjeuné et ensuite nous avons eu la chance de visiter justement ce château et les jardins de la Bourdonnais. Avec beaucoup d'oignons. Merci. Comment? Beaucoup d'oignons. Beaucoup d'oignons, merci. Au moins, il y a beaucoup d'humour. Qui a été l'objet d'une restauration minutieuse. Quand le domaine est en pleine expansion au 19e siècle. Regardez, il est 15h, on est déjà au rhum. Je vais goûter le. Merci beaucoup. On a un apéro très tôt. Ah oui. Ils sont tous tôt, donc on va se détailler. Ah oui, c'est sûr, à 18h.
ça a l'air d'être très fort. On le boit comme ça d'un coup. J'ai cru que j'allais m'en sortir en le prenant en shot parce que je me suis dit au moins c'est passé, c'est fini. Non, il fallait le déguster. Nous sommes rentrés de la visite du domaine de La Bourdonnais. C'était vraiment magnifique. On a visité le château mais aussi tous les jardins. Et ce qui est génial, c'est qu'ils exploitent absolument tout le domaine. Je crois que ça fait 500 hectares. Il y a beaucoup d'arbres fruitiers et notamment des manguiers. C'est la spécialité du domaine de La Bourdonnais, mais il y a également d'autres fruits. Et donc, ils font avec ça des pâtes de fruits, des jus de fruits, aussi des sorbets. Je termine de me préparer. Oui, j'en mets beaucoup, mais c'est de l'eau de rocha. C'est une petite eau fraîche. Et ce que je porte, eh bien, c'est cette robe Neki que je vous ai déjà montrée à maintes reprises. Je vais prendre mon petit sac et on va y aller. Quel est cet endroit absolument incroyable? Vous entendez tous les oiseaux? Oh wow. Nous sommes rentrés à l'hôtel et le soir nous avions un cocktail dans l'hôtel, dans une petite cabane en fait qui était cachée dans les banyans. Alors le banyan, c'est officiellement mon arbre préféré. Je pensais que c'était le saule pleureur jusqu'à ce que je rencontre un banyan. L'histoire est juste magnifique. Je vous mets mon post Instagram ici dans lequel justement je raconte toute la symbolique. Dans l'hôtel il y a beaucoup de restaurants, dont ce Rum Tree House. Et c'est, voilà, comme je disais, une petite cabane dans les arbres dans laquelle tu peux boire des cocktails, faire des dégustations. Et c'est exactement ce que nous avons fait, une dégustation de rhum. Ce qu'il faut savoir, c'est que je déteste le rhum. Je pense que le rhum et le whisky, ce sont les deux alcools avec lesquels j'ai le plus de mal. J'ai du mal à apprécier, en fait. Mais évidemment, je voulais faire honneur à toute cette dégustation et surtout aux Mauriciens hyper passionnés qui étaient là pour nous présenter les 6 types de rhum. Et là, rebelote, dégustation, donc c'est-à-dire que tu dois vraiment goûter le rhum, etc., dire ce que ça t'inspire. J'avais la bouche en feu. C'est notre petit cocktail, quoi. C'est ça. On est juste entre nous. Regardez, on continue dans le rhum. Je peux pas. C'est fort quand même. Oh là là. On a mérité notre cocktail. Et ensuite, nous avons dîné dans un restaurant péruvien de l'hôtel qui s'appelle le Inti. À Maurice, il y a plein de religions qui sont représentées. Il y a beaucoup d'hindous. Il y a beaucoup de musulmans et de catholiques. C'est les 3 religions principales représentées à Maurice. Et donc, il y a beaucoup de gens végétariens, notamment les Indiens, ils sont principalement végétariens. C'est pour ça que j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'alternatives, mais sur toute l'île, en fait, si vous êtes végétarien, vous n'aurez aucun problème. À part si, comme moi, vous n'aimez pas les oignons, là, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que les oignons, c'est ce qui donne le goût à tous les plats végé, apparemment. Cause when I see you coming, all I wanna do is tell you that I love you. I know you're better off without me, cause your tears stain eyes make it dark out when you're around me. Like, I need a lost in the sand, the ink dried in my hand. It's unthinkable. Deuxième journée à Maurice, ce matin nous allons faire du kayak avec Jody et Charlène. Le mercredi j'ai fait une activité que je redoutais et que Jody aussi apparemment redoutait, c'était le kayak. J'ai eu une très mauvaise expérience quand j'étais à l'école, on faisait de l'aviron à côté d'un déversoir et vraiment j'ai eu trop peur et j'ai toujours eu peur des petites embarcations comme ça et je me suis dit ok, il faut vraiment vaincre cette crainte et y aller. Ça y est, on est équipé. Notre sexy, hein. Non, regarde les chaussures, c'est ça le mieux. Oui. Allez, c'est parti. On est avec Jody dans notre petit kayak. Oh.
y est, on est parti. On est sur le kayak. On a déjà mal au bras, franchement. Regardez, il y a un arc-en-ciel. Ça va, les filles? Ça va. Et finalement, grande surprise pour Jodie comme pour moi. On était toutes les deux sur le kayak dans les mangroves. On se disait, mais c'est tellement apaisant. On est tellement bien ici. Il n'y avait pas un bruit. C'était serein, c'était calme. Et je suis super contente d'être allée au-delà de mon blocage parce que ça valait vraiment le coup de faire cette activité. On a pagayé pendant une petite trentaine de minutes et maintenant on vient d'arriver dans un endroit... Oh là là, toutes les bêtes! Les petits crabes et tout! On vient d'arriver dans un endroit dans lequel on va prendre apparemment un petit déj. Je vais vous montrer, c'est trop joli. C'est une île naturelle préservée et donc il y a beaucoup d'arbres endémiques, beaucoup de petits animaux. Ça va les filles? C'est sportif, ma ceinture abdominale est en feu. Clairement, il y a eu gainage. Et surtout, il y a une énergie qui se dégage des arbres, encore une fois, de la nature. J'avais l'impression d'être complètement ressourcée, rechargée par toute cette énergie qui m'entourait. Alors ça, c'est un ancien cratère en fait, hein. C'est un petit cratère volcanique. Il faut savoir que l'île Maurice est bien sûr volcanique, hein, qui a plus de 8 millions d'années. Ouais, c'est une bonne idée de légende. J'ai dit le petit dépêche. Dans les mangroves. Et donc ces racines qui vont descendre, elles vont devenir cet arbre-là, comme ça. C'est pour ça que c'est l'arbre qui marche. Ah, donc c'est les racines qui... Bonjour. Et là, lui, là, mais tu es là, trop mignon, toi. Vous avez une souris, c'est notre... On s'en va et c'est reparti. C'est tellement paisible. Trop beau, regardez où on est. Nous avons déjeuné au restaurant qui s'appelle le Ballroom Blue, dans l'hôtel toujours, trop bien. C'est un restaurant grec et délicieux, délicieux. Et j'adore le fait qu'il y avait les cuisines comme ça directement sur la salle. Ensuite, comme on était un peu fatigué du kayak, on avait vraiment besoin d'un soin au spa. Non, je rigole. On a juste eu la chance d'avoir un massage. Et voilà, c'était génial. Un massage bien tonifiant. Vraiment très reconnaissante de ça. J'avais pas fait de massage depuis super longtemps et j'adore ça. Et ensuite nous avons dîné au Beach Rouge qui est encore un restaurant de l'hôtel. Ça y est, le soleil se lève, je vais devoir ajuster. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Trop bien d'avoir ce petit bar dans l'hôtel. On vient d'arriver au petit déj et regardez, on est comme dans un tipi, c'est trop beau. Non, sans légumes, merci, juste des œufs brouillés comme ça. J'ai mes œufs brouillés et maintenant je cherche des fruits. Oh là là, regardez, il y a carrément la ruche, c'est dingue. Des yaourts. Bonjour. Mes petites gaufres comme ça, j'adore. Et voilà, j'ai mon petit déj. Oh là, tous les oiseaux. On arrive déjà à jeudi, je vous jure, le temps est passé si vite. En fait, on a fait tellement d'activités que j'ai l'impression d'être partie 15 jours. Et à la fois, déjà, le voyage te prend une journée, donc j'avais l'impression qu'à peine j'étais arrivée, on devait déjà repartir. Tout s'est super bien enchaîné, tout était super smooth, mais voilà, on arrive déjà à jeudi. Oh là là! Allez-y! Mais c'est super joli chez vous! Oh. Et toutes les plantes! Là, vous allez découvrir la cuisine. C'est ça, on a hâte. Bonjour. 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 Jeudi, nous avons déjeuné chez Marie-Michel. Je croyais que Côte, c'était son nom de famille, mais en fait, Côte, en créole, ça veut dire chez. C'est pour ça que sur la devanture, c'est inscrit Côte Marie-Michel, chez Marie-Michel. Et c'était des personnes adorables. Tous les jours, ou presque tous les jours, elle accueille des touristes, des journalistes, des familles, des couples,
qui viennent déjeuner chez elle pour découvrir les spécialités locales. Ça va et vous? Merci. 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 Quelqu'un parmi vous qui pas d'oignon? Oui, c'est moi. Vous ne mettez pas d'oignon dans rien de... Vous ne mettez pas d'oignon? Bah, c'est... Oui, c'est moi. Vous allez goûter le manioc. Le manioc? Deux noms. Ouais. Elle regarde Koh-Lanta. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Là, je fais le samoussa. Des samoussa. Le samoussa pour vous goûter. Un petit snack. On fait la pâte, on écrase, on fait le pain aussi, on met dedans. Et puis, on fait frire pour... Et c'est une farce aux légumes, alors? Oui, oui, légumes, les pommes de terre. Ah, génial. Il y a l'oignon, il y a les fines herbes qui est dedans. Vous avez dit quoi, de l'oignon? Oui. Ah, ah, c'est ça le manioc, très bien. Alors là, ce que je fais, c'est du tomate, oui, la coriandre et wow, la menthe, du sel. On écrase sur le rose volcanique. Okay. Oh là, je vais adorer ça. Et là, vous allez goûter ça avec ça, même le manioc aussi. Ok, très bien. C'est ça, les taros. Ça, c'est le taro. Oui. Ok. On met du tamarin. Vous connaissez le tamarin? Non. Je crois que je ne savais pas si j'ai, je vous montrerai. On met le tamarin, un peu de pomme d'amour ou un petit peu de vinaigre. De pomme d'amour? Oui. Qu'est-ce c'est que le tomate. C'est? Ah, d'accord. Excusez-moi, nous on dit de pomme d'amour. C'est très beau. Oui. Pomme d'amour. C'est ananas. Ben, presque là. Donc, vous avez elle... de l'ananas? Oui, c'est là. C'est ça. Ça va enfler et ça va rapporter la wow. D'accord. Peut-être en novembre, décembre, mais ça c'est du safran, un peu de menthe. Mais avec la pluie, comme si... Putain, ça c'est le goyave de la cour. C'est génial d'avoir tout ça dans son jardin. Pas beaucoup de choses. Vous êtes le producteur vous-même, oui, de ce que vous cuisinez. Servez-vous. C'est une pierre volcanique. Oui. Dans notre jargon mauricien, on va dire ça une roche carrée. Mm-hmm. Une roche carrée. Roche carrée, ok. Les grands-parents aimaient écraser les épices, même pour faire un chatini, peu importe. Ils écrasaient toutes les épices dedans parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de blender, de mixeur. Mais maintenant, c'est en voie de disparition. C'est pourquoi que Marie-Michel a emmené ça pour montrer. Ça, c'est du piment? C'est du piment. Ok. Piment sec. Piment sec. Okay. Ça, c'est les curcuma, les graines de coriandre. Il y a tout là, si vous regardez bien attentivement. Vous allez voir toutes les épices mélangées. Ah oui, c'est beau, ça aussi. De... Oui, c'est notre repas de poulet. On est ravis de le partager avec vous. Merci beaucoup. À bientôt. Et c'était délicieux. Il faut absolument, absolument que je refasse sa petite sauce. Coriandre, menthe, tomate, sel. Ça, c'était un condiment incroyable. Nous sommes allés à Grand Bassin, le lac sacré de Grand Bassin. C'est devant les statues de ce lac que viennent se recueillir les hindous, faire des prières, etc. Et j'adore parler cette atmosphère. Il y a une sono qui envoie des ohms, c'est une ambiance très apaisante. Et il y a voilà, toutes ces statues hyper colorées. Donc c'est vraiment quelque chose à voir si vous venez à Maurice également. Ça se fait hyper rapidement. En, je sais pas, 20 minutes, vous avez tout vu. Je suis avec Jody, on essaie de trouver des spots pour faire des photos parce qu'il y a des lits qui sont super jolis. Regardez la piscine. En fait, ça, c'est une deuxième piscine de l'hôtel. T'as trouvé ? Merci beaucoup.
Ensuite, nous avons fait le check-in dans le second hôtel du séjour qui s'appelle Héritage l'Hôtel Fer. Et là, c'était encore, dirons-nous, plus traditionnel, moins moderne, une déco un petit peu plus coloniale et vraiment très nature. Il y a un golf en fait dans cet hôtel qui est pareil absolument somptueux. Alors on entre, vous voyez ici c'est la porte d'entrée, il y a un grand miroir. Sur la droite il y a la salle de bain qui est divine. Il y a cette baignoire qui donne sur la chambre, très très jolie. Et ensuite on arrive effectivement sur la chambre. Juste ici il y a un minibar, la chambre avec un canapé, un petit bureau, un fauteuil et la vue est magnifique aussi. Ça donne sur la piscine avec beaucoup de verdure et on est sous un banyan d'ailleurs, vous savez cet arbre que j'adore. Et le soir, nous avons dîné au Jinja, qui était un restaurant gastronomique asiatique. C'était délicieux, c'était vraiment divin et le cadre sublime. Tu peux avoir une table sur la plage, manger les pieds dans le sable avec vue sur la mer. Ils font tous les soirs apparemment un grand feu de bois sur la plage aussi, donc ambiance trop chaleureuse. J'ai adoré. Coucou toi. Vendredi, cette journée était très sympa aussi puisque nous avons fait une excursion en vélo électrique pour découvrir le sud sauvage de l'île. C'était avec Laurent, vraiment un homme extrêmement passionné, courageux, scorpion. Bien sûr, je lui ai demandé son signe astrologique. En fait, il a eu un cancer et du jour au lendemain, il a quitté son travail, s'est dit « Ok, la vie est courte, je pense qu'il faut faire des choses » qu'on a envie de faire, qu'on aime, qui nous épanouissent. Il a découvert le vélo électrique et il en est tombé amoureux. Il a eu envie de partager cette passion avec des touristes pour leur faire découvrir l'île d'une manière un petit peu sportive, mais très douce parce que ça reste du vélo électrique, mais surtout d'une manière très naturelle et facile. Le vélo électrique, ça permet de découvrir plus de choses parce que tu vas plus vite, tu fais moins d'efforts, mais tu es quand même directement dans la nature. Et c'était absolument génial, nous sommes allés déjeuner chez une mauricienne. On faisait 4h du matin. Et là, elle leur fait aller très parti. Jusqu'à quelle heure elle est ? Chapati. Jusqu'à quelle heure ? 8h. Jusqu'à 8h du matin. Oui, 15h. Elle vend à tout le monde. Son fils aussi va revendre aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'elle gagne sa vie aujourd'hui. C'est bien croustillant. Et voilà, elle se lève à 4h du matin, jusqu'à 8h elle fait tous ses samoussas, etc. pour les vendre ensuite aux gens de son village, c'est comme ça qu'elle gagne sa vie. C'était une femme charmante, le cœur sur la main, adorable, et c'était son anniversaire, nous sommes allés déjeuner chez elle le jour de son anniversaire. Nous sommes rentrés là, nous sommes bien installés à la piscine de l'hôtel, et nous avons bronzé, c'était trop bien de juste profiter du soleil, du cadre et de se reposer sans rien faire. Ça m'arrive rarement de ne rien faire du tout parce que même quand je suis posée chez moi sur mon canapé, bah, je vais répondre à vos DM sur Instagram ou à mes commentaires sur YouTube, mais juste le fait de fermer les yeux et de ne rien faire et d'écouter les oiseaux et de sentir le soleil sur sa peau, c'était bien, c'était très très bien. Et le soir, nous avons dîné dans un des restaurants de l'hôtel Le Tel Fer qui s'appelait Annabella's. Je suis un peu à contre-jour, on voit pas, mais aujourd'hui, on fait une journée bateau avec Vitamine C. J'étais venue il y a 4 ans, je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez vu le vlog dans lequel je nageais avec les dauphins. Et là, nous allons aller à l'île aux cerfs, l'île aux aigrettes. Coucou Marine. Hello, welcome back. Oui. «
Samedi, journée exceptionnelle, sortie en bateau toute la journée avec Vitamine C. C'est Marine et Cédric, un couple juste adorable. Et ils ont créé cette entreprise il y a quelques années, Vitamine C. C'est une entreprise hyper éco-responsable. Vous avez beaucoup beaucoup de sorties en mer pour aller voir les dauphins, pour aller voir ceci, cela, sauf que vous vous retrouvez avec des dizaines de bateaux agglutinés au même endroit et c'est vraiment pas terrible. Alors que Marine et Cédric, c'est vraiment des gens hyper responsables, amoureux de la nature, amoureux de l'océan. Et je les avais rencontrés la première fois il y a 4 ans lorsque j'étais venue à Maurice. Ils m'avaient fait une autre visite d'ailleurs, c'était autre chose. J'avais nagé avec les dauphins, c'était exceptionnel aussi. Là c'était magique, je vous envoie les images. L'île aux Aigrettes qui est une réserve naturelle de plantes et d'animaux endémiques, vraiment magnifique pour les plongées. Ça a été placé là, un endroit très stratégique parce que tous les navires venaient de ce côté-là. L'île a pris part à la bataille 1810 de Napoléon et c'est la seule bataille que les Français ont gagnée contre les Anglais, la seule bataille maritime. Ils sont plusieurs en fait. Il y en a un là et un là-bas. Nous venons d'arriver sur l'île aux cerfs où nous allons déjeuner, pique-niquer, l'eau est translucide. C'est magnifique, on dirait qu'il n'y a personne. Regardez, il y a des montagnes au loin, la mer et la nature, la végétation, tout ce que j'aime. Merci. Merci beaucoup. On dirait qu'on vient d'arriver sur une île de Koh Lanta. Nous sommes rentrés à l'hôtel, nous sommes préparés. C'est d'ailleurs là que j'ai filmé mon petit Get Ready With Me pour aller dîner au château. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, mais c'était sympa. Un peu une vidéo comme à l'ancienne où je vous montre tout ce que j'applique, etc. Un peu ambiance Vogue dans l'hôtel. C'est le mood que j'avais envie de donner. Et donc voilà, nous sommes allés dîner au château de Belle-Ombre où nous avons été merveilleusement bien reçu. Le cadre est très sympa aussi. Encore une fois, ça ressemble un peu au château de la Bourdonnais, dans le sens où au niveau de l'architecture, c'est pas les châteaux de la Loire. Et c'était très très joli, avec toutes ces petites lumières. C'était une excellente soirée, encore une fois, passée ensemble. Dernier petit déjeuner à l'hôtel. Vous voyez ici, il y a le buffet. Et là, nous allons nous installer à une table. Les filles, dernier petit déjeuner. Aujourd'hui, je vais prendre des fruits. Et moi, j'adore les petites crêpes et les gaufres là-bas. Je pense que je vais prendre ça. Malheureusement, Jody est un petit peu malade d'hier. Donc, nous sommes que toutes les trois avec Charlène et Anaëlle. Et alors, j'ai pris une gaufre, des fruits et un œuf brouillé. Anaëlle, tu as pris des fruits, un yaourt, œuf brouillé, fromage et pain. Et toi? Et moi, Charlène. Déjeuner très british, pommes de terre, flageolets, fromage, pain en dessous et un dessert. Bien. Bon appétit les filles. Merci, bon appétit. Dimanche déjà, la dernière journée les amis, nous nous sommes levés assez tôt. Je pense que c'était mon activité préférée. J'ai adoré aussi toute l'excursion en mer, etc. Mais mon élément, c'est plus la forêt tropicale, la jungle, que la mer. Pourtant, je suis poisson. Mais vraiment, c'est là, c'est dans la forêt tropicale que je me sens le mieux. Tu viens avec nous? Oh, t'es trop mignon, toi. Oh, t'es trop mignon. Mais oui, viens avec nous. Allez,
Nous allons visiter la réserve naturelle et nous allons partir en jeep. Il vient vraiment avec nous? Non. Oh, dommage. On a parlé d'emmener les chiens. Ah oui, d'accord. À tout à l'heure. C'est parti. Avec l'anti-moustique, évidemment. Ah, c'est avec ces palmiers là. Avec ça, on frappe avec ça. Ah, d'accord. Le haut. Le cœur, on étudie seulement le cœur. Le côté blanc? Ouais, là il faut attendre environ 5 à 7 ans pour avoir le cœur monter. D'accord. Et on utilise seulement cette partie. Pour là, faire le cœur de palmier. On doit éplucher pour avoir le cœur. Oui. Par exemple, celui-là, si on épluche, ça va être comme ça. Ah oui? C'est pas gros. Okay. Et à l'époque, on appelait ça salade du millionnaire. Parce que ça a été mangé par les colons français à l'époque. Oh. C'est pas dans notre habitude de manger. Parce que ça coûte cher. Et du coup, vous coupez le blanc et ça repousse après? Non, il est mort. Oh non. Ah oui, donc. Mais de toute façon, il y a les graines, vous voyez, il y a les graines qui. Ah, j'avais pas vu. Donc on a pu mettre en pépinière, attendre environ 5 à 7 ans. 6 à 7 mois pour revenir replanter, il faut attendre 5 à 7 ans pour avoir les graines. Ah, donc c'est un produit de luxe. Voilà. Ah bah oui, vraiment. Et ici, on plante beaucoup pour les touristes, celui-ci, spécialement. Oh. Parce ouais, ça fait mal au cœur de devoir tuer le palmier pour avoir juste ça. Ça c'est les petits citrons. Ça c'est les petits citrons comme ici. Merci. Écrase. Donc vous les mettez dans la même, vous allez sentir comment ça sent. C'est ça. Oui, pour les coquilles. Déjà. Ouais. Et ça sent bon. Ça beaucoup plus parfumé que ce qu'on a en France. Waouh, il est immense. C'est magnifique. Ah, regardez, c'est un sanglier. C'est trop marrant. Non mais avec l'oiseau sur le dos. Sanglier. Il y a les petits aussi juste à côté. Non, il y a des bébés. Il y a des bébés, ouais. Attends, oh là là. Mais c'est tellement drôle. Ah oui, on les voit en bas. Oh là là. Oh non, c'est trop mignon. Tellement mignon. Il y a une autre à l'arrière. Petit, petit. Oh oui. Oh, c'est trop mignon. Oh là là. Oh, qu'est-ce que c'est cute. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh là là. Il y a les deux petits qui vont suivre à l'arrière. Vous voyez ces arbres là-bas, ça fait partie de la même famille que les palmiers. Et ça s'appelle l'arbre du voyageur parce que si on fait un trou dans la feuille, c'est ça, il y a de l'eau potable qui sort. Voilà, donc bon à savoir si vous êtes perdu. Et oui, on entend les chauves-souris, mais je sais pas à la caméra si on les entend. On la voit voler. Et c'est seulement les deux espèces de chauves-souris qui restent à l'écran. Mais non, ça vous voyez, ce sont des manguiers. Mais on n'a pas de mangue parce qu'elles sont mangées par les chauves-souris. C'est ça? C'est pas la saison? Non, là, ouais, puis c'est pas. Là, ça va commencer, on va commencer à avoir des fleurs fin août. Ouais. D'accord. Là, c'est décembre la saison des mangues. Décembre, c'est la saison. Et cette fois-ci, on peut avoir un peu plus de rhum. Bon, ben on revient en décembre manger des mangues. C'est ça. Ça, c'est sûr. Jeune palmis multipliant. Jeune palmis. Qui vient du Madagascar. Et ça, ce tout petit truc. Ça donne dans les 2 à 3 mois. Ouais. Et après 10 ans, ça va revenir comme ça. Après 10 ans, c'est ça. C'est dingue. Et ça a été introduit spécialement pour l'embellissement hein, dans les jardins. Ah oui? Le fait d'avoir des cascades, des bambous, des palmiers, ça m'emplit de joie et j'avais les larmes aux yeux dans la réserve. Tant c'était beau et tant la nature est incroyable et vraiment je me sentais dans mon élément, on était trop bien. Malheureusement il n'y avait pas de Jody parce qu'elle était malade ce matin, je ne se sentais pas très bien donc on était avec Anaëlle, Charlène et moi et le guide. Trop sympa aussi, qui nous a appris plein de choses. Je l'ai assailli de questions sur le nom des arbres, etc. Et c'était touchant parce que, je sais pas, dans la discussion, on lui dit qu'on est végétarienne. Et il nous dit, ah bah moi aussi, avant je mangeais de la viande, mais lorsque je suis arrivée dans la réserve naturelle, que j'ai pris ce poste, j'ai vu les cerfs, j'ai vu tous les animaux et ça m'a trop fait mal au cœur et depuis je suis devenue végétarien. C'était un petit moment trop sympa. Nous sommes rentrés, nous avons déjeuné à l'hôtel. Jody allait beaucoup mieux donc on a déjeuné ensemble. Et ensuite, avant de prendre l'avion, Anaëlle avait réservé pour nous un massage. Trop bien.
C'était dans l'hôtel à côté de l'hôtel Le Telfair et il y avait un spa immense, magnifique qui s'appelle le spa des 7 couleurs. Et alors on est entré et ce qui était marrant c'est qu'on nous a demandé de choisir une couleur qui correspondait à un des chakras. Vous savez qu'on a plusieurs chakras. Et instinctivement, je me suis tout de suite dirigée vers le indigo. C'était un beau bleu profond, etc. Et c'était pour éclairer la pièce de massage. Et on m'a dit, ah, mais ça correspond au chakra du troisième œil, qui lui-même correspond à l'instinct, à la paix intérieure, etc. Donc, très bien. Renforçons cela. Et là, c'était un massage moins dynamisant, mais vraiment relaxant, détente, introspection, méditation, tu vois. J'ai adoré le mood. Juste avant de prendre l'avion, ça tapait, c'est trop bien. Nous sommes rentrés à l'hôtel, nous avons plié bagages et il fallait déjà partir pour l'aéroport. Et c'était déjà la fin de ce voyage. Avec déjà beaucoup de nostalgie de tous ces bons moments qu'on a passés ensemble. C'était vraiment trop trop sympa, je suis hyper reconnaissante et heureuse d'avoir vécu cette semaine. Et voilà, j'espère que j'aurai pu vous faire voyager un petit peu à travers mon écran. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre moment préféré de tout le séjour dans les commentaires ou alors ce que vous aimeriez absolument faire si vous veniez à Maurice parmi toutes les activités qu'on a eu la chance de faire. On se rejoint tout de suite sur Instagram et TikTok ou sinon mercredi prochain à 18h25 pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Et je vous souhaite évidemment un excellent dimanche, prenez bien soin de vous. Mouah !